Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous ce matin. Alors, je suis tout seul parce que Marine est restée avec Raphaël, notre petit garçon. Il est malade, mais il est en voie de guérison. Il est presque guéri, donc on a préféré ne pas l'amener ici pour le voyage et le froid, etc. Et puis les gens qui font coucou, coucou. Donc, voilà. Donc, mais elle vous remet les salutations. Lui aussi, même s'il ne parle pas encore, mais je suis sûr qu'il vous remet aussi les salutations. Alors, je voulais aussi vous remercier parce qu'on a fait une marche parrainée en mai dernier. Et plusieurs d'entre vous ont parrainé des marcheurs. Et il y avait des marcheurs aussi. Luc, papa, était là aussi. Merci d'avoir été là pour Jeunesse et Vie. Et il y a 3000 euros qui sont rentrés depuis la Belgique. Donc, 3000 euros de dons belges sont arrivés. Et la mission aux États-Unis a dit, on va doubler la somme pour vous. Donc, on a reçu 6000 euros tout ça pour que les jeunes dans les milieux défavorisés puissent faire les camps. On a parlé des camps tout à l'heure. Donc, il y a eu des dizaines de jeunes qui ont été parrainés pour diminuer le coût des camps et qui ont pu participer pour la première fois à des camps grâce à ça. Donc, on vous remercie parce que vous avez été nombreux à participer. Alors, je vais commencer le message tout de suite. Ce n'est pas une boîte à chaussures, mais vous verrez pourquoi elle est là. Alors, on arrive presque à la fin de l'année. On est en octobre, il reste 2 mois. Et j'ai envie de vous poser la question, comment est-ce que Dieu vous a béni pendant cette année? Comment est-ce que Dieu a agi sur vous pour vous dire, ah, là, j'ai été vraiment béni de Dieu? Et quand vous pensez à des bénédictions, quelles sont-elles, les bénédictions? Et j'ai posé la question à des jeunes étudiants, cette question-là aussi, comment est-ce que Dieu vous a béni cette année? Alors, il y en a qui m'ont répondu, j'ai réussi mes examens, j'ai trouvé un cote. J'ai plein de choses comme ça. Et puis, on a pris un texte qu'on va lire ensemble ce matin et on a réalisé que la réussite, la guérison, l'amitié, etc., c'était des bénédictions, on va dire, physiques, matérielles, terrestres. Mais comme on a commencé à lire ce livre, on a dit, mais est-ce qu'on n'aurait pas oublié les bénédictions spirituelles? Quelles sont-elles, ces bénédictions spirituelles? Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans le premier chapitre d'Éphésiens. Et je me suis aidé d'un commentaire pour ce message, ce commentaire qui s'appelle Éphésiens, la lettre aux Éphésiens de Dominique Anger, qui était un de mes professeurs à l'IBG. Je ne sais pas si toi tu l'as eu, Fantine, tu l'as eu aussi. Mais voilà, c'est ce commentaire-là qui m'a aidé à faire ce message, donc je voulais le citer. Alors juste un petit rappel avant de prendre le texte. C'est Paul, donc l'apôtre Paul, qui écrit cette lettre aux Éphésiens. Et il l'écrit quand il est en prison. Et on voit qu'il se considère comme apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Souvent, on dit, je recherche la volonté de Dieu, j'aimerais savoir la volonté de Dieu pour ma vie, pour mes études, pour mon futur, pour mon... etc. Mais... est-ce que c'est vraiment ça, la volonté de Dieu ici? Je ne pense pas, parce que la volonté de Dieu, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est que toute personne soit sauvée. Ça, c'est la volonté de Dieu. Nous, notre volonté à nous, c'est moi, je voudrais, mais la volonté de Dieu, c'est que tous, personne soit sauvée. On voit ça dans 1 Timothée 2. Alors, quand Paul se dit apôtre de Christ par la volonté de Dieu, ça correspond au plan du salut que Dieu met en place, conçu par lui. Et Paul, il fait partie de ce plan et il veut montrer que Dieu, il l'utilise. Et il lui donne un rôle déterminant pour déployer ce plan, ce projet du salut pour tous et surtout pour les non-juifs à l'époque. Et aujourd'hui, on va voir justement quelles sont les bénédictions offertes par le grand plan du salut de Dieu. Et on va lire ensemble Éphésiens 1, donc premier chapitre d'Éphésiens, versets 3 à 14. Vous pouvez les prendre avec moi aussi dans votre Bible, comme le diapo ne marche pas. Comme ça, vous suivez et vous essayez de déterminer les bénédictions que vous entendez ou que vous lisez dans ce texte. Je vais lire tout doucement, comme ça on peut s'imprégner vraiment du texte. Donc, Éphésiens 1,
3 à 14. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. En son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, à savoir tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qu'il y a dans le ciel que ce qu'il y a sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors, c'est un texte très riche, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses. On pourrait prendre chaque verset pour faire un message dessus, mais on l'a pris en globalité. Et on peut percevoir 5 bénédictions spirituelles dans ce texte. Peut-être que vous les avez déjà entreaperçues. Et le texte commence par le verbe « bénir ».« Béni soit le Dieu » qui nous a bénis. Donc, il y a comme une double bénédiction ici, si vous voulez. On bénit Dieu parce que lui-même nous a bénis avant. Il y a un verset qui dit aussi dans 1 Jean, nous nous aimons parce que Dieu nous a aimés en premier. C'est toujours lui qui prend l'initiative. Et en fait, on bénit Dieu, et ce chant qui dit « Béni Dieu, oh mon âme », je ne vais pas chanter, mais on le loue, on l'adore, comme on l'a fait ce matin. C'est comme si on disait « Loué soit Dieu ». « Béni soit Dieu », c'est « Loué soit Dieu », on le loue. Et si on a à cœur de bénir Dieu, c'est parce qu'il nous a lui-même bénis. Et on peut même constater que c'est Dieu dans ces 3 personnes qui nous bénit, parce que le Père est le concepteur du salut, le Fils, il exécute ce plan à la perfection, et le Saint-Esprit nous applique les bienfaits de la rédemption. Donc la rédemption, c'est quand Christ nous a rachetés, c'est le salut. Alors, voyons les bénédictions spirituelles de ce texte. Alors, imaginons que cette boîte que vous voyez là, c'est une maison. Imaginons une maison. Alors, est-ce que quelqu'un ici a déjà construit une maison ou a aidé à construire une maison? Ouais. Hein? Cyril, toi, tu retires ce qu'il y a dans la maison plutôt. Hein, ce n'est pas ta construit, mais tu retires, donc c'est différent. Mais donc, est-ce que vous avez déjà imaginé de construire une maison ou voilà, dans ces choses-là? Qu'est-ce qu'il faut pour construire une maison? Il faut plein de choses, il faut réfléchir à tous les matériaux qu'il faut, il faut bien prendre les mesures, etc. Donc, c'est vraiment un travail très, très conséquent. Mais imaginons que cette maison représente le salut. Imaginons que cette maison représente le salut, donc le fait que Dieu nous ait sauvés. Et dans cette maison, on va imaginer qu'il y a 5 pièces, et ces 5 pièces représentent les 5 bénédictions spirituelles de ce matin. Comme ça, comme il n'y a pas de PowerPoint, on va faire un PowerPoint en live. D'accord ? Et dans chacune des pièces, la maison en entièreté doit être construite sur des fondations solides. Ça, vous êtes d'accord avec moi ? Pour construire une maison, il faut des fondations solides, des matériaux de base. Et ces matériaux de base, on peut les retrouver dans le texte qu'on vient de lire. Le premier matériau, parce qu'on dit un matériau, hein, le premier matériau, c'est l'initiative de Dieu. Dieu prend lui-même l'initiative pour le salut. Et on voit ça dans les versets 4, 5, 9 et 11. Nous n'en sommes pour rien. C'est lui qui prend l'initiative. Deuxième matériau, c'est la grâce de Dieu. Dieu agit par pure grâce. On voit ça dans les versets 6, verset 7, verset 8. On dit
Nous sommes rachetés par de sa grâce, etc. On voit beaucoup la grâce dedans dans ces versets. Donc, premier matériau, l'initiative, la grâce de Dieu. Troisième matériau, la gloire de Dieu. On a entendu beaucoup la gloire dans ce verset. Dieu agit par sa propre gloire. Tout lui revient. Quatrième matériau, le Christ. Dieu agit par l'intermédiaire de Christ. Et ça, on voit dans plein de versets. En lui, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Il reste en même temps l'outil, mais aussi le matériau. Et le cinquième matériau, c'est le déjà et le pas encore. Alors ça, c'est un peu technique. Le déjà et le pas encore, c'est ce que Dieu anticipe et qui le fera encore. Par exemple, au verset 3, il nous dit « Il nous a comblés, toutes les bénédictions, donc c'est déjà fait. » Mais le verset 4 nous dit « Un jour, nous serons parfaitement saints et sans défaut devant lui. » Ça, c'est le pas encore. Donc, on est sauvé ici sur terre, mais on le sera encore complètement quand on sera dans sa présence. Donc, ça, c'est le déjà et le pas encore. Donc, toutes les pièces sont construites avec ces mêmes matériaux de base, je les répète. Donc, béni soit Dieu pour un salut pensé par lui, par sa grâce, pour sa gloire, possible en Christ et présent et futur. Et pour illustrer, je les ai comme tapissés à l'intérieur de la maison. Vous voyez, je les ai tapissés. Donc ça, c'est les cinq matériaux que je viens de dire. Comme ça, tous les murs sont tapissés par ces matériaux. Okay? Donc, l'initiative de Dieu, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, Jésus-Christ et le déjà et le pas encore. Ce sont les matériaux de base de la maison. Alors maintenant qu'on a ces matériaux, on peut voir les cinq bénédictions que nous allons mettre dans la maison comme des pièces. La première, c'est que nous sommes choisis. Verset 4 nous dit « En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » Nous sommes choisis. Première bénédiction. Et déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a fait un choix, il a choisi Abraham et sa descendance pour les bénir. Et son choix s'est arrêté sur le peuple Israël. Et ici, dans le Nouveau Testament, Dieu a choisi l'Église, l'Église de Jésus-Christ. Il a élu chacun de ses membres. Et avant la création du monde, il nous avait déjà choisis. On a parlé tout à l'heure de la création, de tout ce qui a été créé. Mais bien avant tout ça, bien avant les galaxies, il nous avait déjà choisis. Et le fait de le préciser, ça souligne que nous n'y sommes pour rien. On n'y est pour rien. Il ne nous choisit pas parce qu'on est meilleur qu'un autre, par nos mérites, non, parce qu'on n'en avait pas à ce moment-là. Nous sommes choisis pour être saints et sans défaut devant lui. Alors, est-ce qu'on l'est? Ben non. Mais notre but, c'est de s'y rapprocher, en sachant que dans les fondements de la maison, il y a la grâce dans les matériaux. La grâce est présente. Dieu nous transforme et les changements se voient à travers nous. Et la transformation sera parfaitement achevée en nous lorsque nous serons au ciel avec lui. Là aussi, c'est le déjà et le pas encore. On sera parfaitement, l'œuvre en nous sera parfaitement achevée dans le ciel. Alors, l'élection, la prédestination, la réprobation, c'est des sujets qui font un peu débat chez certains chrétiens. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ce matin, mais je vais juste vous donner la définition de l'élection. Comme ça, vous pouvez avoir une idée aussi. L'élection peut se définir comme ceci. C'est un acte de Dieu avant la création par lequel il choisit certains pour être sauvés, non à cause de quelques mérites de leur part qu'il aurait connu d'avance, mais uniquement selon son bon plaisir souverain. Et vous imaginez qu'avec cette définition, il peut y avoir deux façons de la comprendre. Soit vous vous dites, ben, ok, Dieu est souverain, pas de souci, il fait ce qu'il veut, il est le Créateur Tout-Puissant, donc c'est lui qui choisit. Mais on peut aussi se dire, mais où est le libre arbitre dans tout ça? Où est la responsabilité de l'homme? Si Dieu a tout prédit d'avance, ben, ce n'est pas moi qui fais mes propres choix du coup. Donc, vous voyez que le débat peut être voilà, là, mais on ne va pas rentrer dans les détails ce matin. En tout cas, ce texte dit clairement que Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis. Et je prends un exemple dans le sport, par exemple. Quand moi, j'étais plus jeune, on faisait beaucoup de matchs de foot, etc., de basket. Et
Parfois, on demandait à deux capitaines de choisir les joueurs. Et quand un joueur était choisi en dernier, c'était compliqué parce qu'il dit, ah, mais il est choisi en dernier, le pauvre, c'est le dernier. Et ceux qui sont choisis en premier, ils disent, ah, mais lui, je veux dans mon équipe, donc c'est qu'il est bon, c'est qu'il doit être, voilà, il a les qualités pour ça. Et en fait, avec Dieu, c'est ça, en fait. On est choisi en premier. On est choisi tous ensemble en premier, et même avant que le match commence, puisque avant la création du monde. Donc, avant tout ça, il s'est déjà dit, tiens, je vais vous choisir tous ici en premier. Et ça nous fait du bien parce qu'on dit, ah, on se sent bien, on se sent utile, on se sent aimé par Dieu parce qu'il nous choisit en premier. Et retenons que ce choix est une bénédiction parce que notre Créateur nous désire. C'était la première bénédiction. Nous sommes choisis. Nous sommes choisis. Donc je vais mettre une pièce dedans. Hop, nous sommes choisis. Deuxième bénédiction. Nous sommes adoptés. Versets 4 et 6, je relis. Donc, dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Nous sommes adoptés. Et quand l'apôtre Paul parle d'adoption, ici, il parle aux Éphésiens de l'époque gréco-romaine, hein, du premier siècle. Et il faut savoir que lorsqu'on adoptait un enfant dans une famille, il devenait directement fils de la famille avec tous les privilèges que cela impliquait. Et par exemple, comme l'héritage, comme la gestion de la maison. Et en l'absence du fils naturel, c'est le fils adoptif qui prenait le leadership de la famille et qui assurait leur prospérité. Et c'est beau de voir un peu le parallèle de Paul, qui nous rappelle que nous sommes bénis car nous sommes adoptés par Dieu. Nous ne sommes plus orphelins spirituels, nous sommes adoptés par notre Père céleste et cela nous donne des privilèges aussi. Privilège incroyable de pouvoir être les co-héritiers de son propre Fils et de partager le royaume de Dieu avec lui. Mais également d'assurer la prospérité des chrétiens dans le monde. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'à la base, Éphésiens 2, 3 nous dit: nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère divine, tout comme les autres. Donc à la base, on était tous voués à la colère divine. Et grâce au Christ, les plans ont changé et nous sommes bénis d'être adoptés par Dieu. Et ce nouveau statut nous pousse à célébrer sa grâce, comme on l'a lu. Christ nous a acquis une place éternelle au sein de sa famille, la famille de Dieu. Waouh! Donc, c'est la deuxième bénédiction. Nous sommes adoptés. Je cherche. Adoptés. Troisième bénédiction, versets 7 et 8, nous sommes délivrés et pardonnés. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Alors, on parle de délivrance ou de rédemption. La rédemption, c'est la libération par le paiement d'une rançon. C'est un rachat. Et encore comme à l'époque gréco-romaine du premier siècle, un esclave, quelle que soit son origine ethnique, devenait libre de son maître lorsque quelqu'un déboursait le prix de sa rançon. Et Dieu avait libéré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Les Éphésiens avaient peut-être ça en tête. Et la délivrance ici, elle dépasse largement l'esclavage. Parce que le paiement de notre rançon s'est fait par le sacrifice de Jésus. Voilà le prix inestimable de notre rançon. Et c'est de l'esclavage du péché que nous sommes délivrés et pardonnés de nos fautes, parce que nous étions aussi esclaves de ces fautes-là, de ce qui entraînait un châtiment, la mort. Et en payant le prix de notre délivrance par le sacrifice de Christ, Dieu a manifesté sa grâce dans sa richesse.
C'est fort comme texte. Il y a tellement de, wow, de richesse dans ce texte. Dieu nous a rachetés, il a payé le prix plein, son fils. Et c'est vrai, comme Fantine le disait tout à l'heure, quand notre propre enfant est donné, moi qui viens d'avoir un enfant, je réalise d'autant plus que je ne pourrais jamais donner mon fils en sacrifice pour tout le monde entier, non. Et Dieu l'a fait. Et ça, c'est waouh. On peut pas comprendre. Enfin, si, on comprend, mais waouh, c'est fort, quoi. Ça, c'était la troisième bénédiction. Nous sommes délivrés et pardonnés. Délivrés et pardonnés. Quatrième bénédiction, nous connaissons le plan de Dieu. Nous connaissons le plan de Dieu. Versets 8 à 10, 9 à 10. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, à savoir tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qu'il y a dans le ciel que ce qu'il y a sur la terre. Donc nous connaissons le plan de Dieu. Et d'après le verset 9, Dieu nous a fait connaître le mystère, le secret de son plan. Alors, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'inconnu ou quelque chose que, chut, il ne faut pas le dire. Mais ici, pour Paul, en tout cas, c'est plutôt quelque chose que personne n'entrevoyait clairement quand ça a été écrit à l'époque de l'Ancien Testament, mais que Dieu a précisé avec la venue de Christ. Donc, on savait pas, eux ne savaient pas vraiment ce que c'était, mais quand Dieu est venu, tout a été réuni en Christ, donc tout a été vu à la lumière de Christ. Le brouillard s'est dissipé, comme si on mettait toutes les informations du plan de Dieu dans un entonnoir, vous voyez, hop, et que Christ était le bout de l'entonnoir. Tout était réuni sous l'autorité du Messie. Et c'est grâce à Christ qu'on comprend ce secret, ce plan merveilleux du salut. Et ces versets représentent bien plus que la quatrième bénédiction. L'auteur du commentaire nous dit que ce sont des versets clés et c'est le message central de la lettre. Parce que Paul nous procure une vision du salut qui dépasse notre petite personne dans l'univers entier. Paul nous procure une vision du salut qui dépasse notre petite personne, à savoir que l'univers entier a besoin du salut. Tout doit être rétabli aussi bien, pardon, ce qu'il y a dans le ciel, le monde invisible, que ce qu'il y a sur la terre, le monde visible. Alors, est-ce qu'on comprend ça? C'est quand même difficile à comprendre, le monde invisible, ce qu'il y a dans le ciel, ce qu'il y a sur la terre. Sur la terre, bien sûr, on voit bien, hein, il y a des choses qui se passent, les guerres, les chaos, le climat qui déraille, les technologies qui nous dépassent, la méchanceté des gens, tout ça, on le voit. Et vous allez me dire, ouais, mais ça a toujours été comme ça. Non, mais ça ne va pas en s'améliorant. Et c'est visible tout ça. Mais aussi le côté invisible, Paul le mentionne plus loin dans sa lettre, hein, des puissances mauvaises se sont mobilisées contre Dieu, et on voit, hein, l'armure du croyant dans Éphésiens 6 pour se protéger de tout ça. Donc l'unité de l'univers a été rompue. Tout le cosmos, donc la terre et le ciel, a besoin du plan de sauvetage divin. Toute la création attend sa délivrance avec un ardent désir, nous dit Romains 8, verset 19. Et ce rétablissement, nous l'attendons toujours et il se fera qu'au retour du Seigneur. Il y a encore le déjà et le pas encore. Alors ça, c'était la quatrième bénédiction. Donc le plan du salut est connu. Maintenant, on le connaît. Et la cinquième et dernière bénédiction, c'est que nous appartenons à Dieu et son héritage nous appartient aussi. Versets 11 et 14 à 14. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire.
nous appartenons à Dieu et son héritage nous appartient aussi. Et ici, Paul parle d'abord des Juifs qui reçoivent l'héritage, mais il parle aussi de tous les autres. Eux aussi ont droit à cet héritage. Et ils ont été marqués d'un sceau, un cachet qui scelle. Et Paul emploie cette métaphore parce qu'à l'époque, on scellait les esclaves, les animaux, pour pas qu'on les vole ou pour montrer qu'ils appartenaient à leur propriétaire. Et ici, il dit que c'est le Saint-Esprit qui nous scelle. C'est pas quelque chose de visible, c'est spirituel. Nous sommes marqués par quelque chose d'invisible, mais qui doit se voir, qui est visible par notre attitude de cœur. Et cet esprit, c'est quoi? C'est l'acompte de notre héritage. Si nous croyons bien sûr réellement en la mort et à la résurrection de Jésus. Et suite à notre conversion, nous recevons l'esprit en nous. Et c'est une garantie, comme quand on paye un acompte. Voilà, j'ai payé un acompte, j'attends la suite. Eh bien là, c'est un avant-goût de ce qui nous attend plus tard dans le ciel. La délivrance complète. Voilà la nature de l'héritage qui nous sera légué. Non seulement le pardon, mais encore l'absence totale du péché et le renouvellement complet de notre personne et de tout l'univers entier, toute la création. Et sans oublier, verset 14 qu'on vient de lire, que tout ça, c'est pour célébrer sa gloire. Célébrer sa gloire. Je mets la dernière bénédiction, donc appartenance et héritage. Voilà. Le plan du salut. Alors voilà, nous venons d'explorer les 5 pièces de cette maison. Mais soyons attentifs et ne négligeons pas la raison principale de cette visite du propriétaire. Paul nous invite à bénir Dieu, c'est-à-dire de l'adorer, de le remercier pour tout notre cœur, pour ses bénédictions, qui sont pour nous un immense cadeau. Un immense cadeau. Parce que nous sommes choisis, nous sommes adoptés, nous sommes délivrés, nous sommes éclairés, nous sommes acquis et unis à Christ. Un immense cadeau. Et pour conclure, sachons réaliser à quel point nous sommes bénis. Vraiment. Et combien c'est difficile d'apprécier à leur juste valeur les bénédictions spirituelles dont Dieu nous a bénis. Parce que dans notre esprit, quand on parle de bénédiction, on évoque naturellement des choses du domaine matériel, du confort, des circonstances favorables. Dieu nous bénit quand on obtient un boulot de rêve ou quand notre salaire augmente, quand la maladie cède la place à la guérison. Bien sûr, c'est des bénédictions. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais sommes-nous devenus insensibles aux bénédictions spirituelles? Est-ce qu'on est trop attaché aux réalités terrestres pour lever les yeux vers les cieux? Et si on devait, en ces temps de crise, parce que voilà, on est dans une période de crise, si on devait choisir entre la hausse de notre pouvoir d'achat ou une appréciation plus profonde de ces bénédictions spirituelles, qu'est-ce qu'on privilégierait? Quel type de bénédiction voulons-nous? Si on a parfois le sentiment de ne pas être assez béni ou de se dire « Tiens, je ne suis pas béni, qu'est-ce que je peux faire pour être béni ?» C'est peut-être parce qu'on ne recherche pas les bénédictions au bon endroit. Elles se trouvent dans le monde céleste. Alors, sachons apprécier ce cadeau à sa juste valeur. Rappelons-nous ces vérités importantes pour nos vies. Et je vais terminer en priant une prière qui est dans ce commentaire et qui, je trouvais, résumait bien tout ce qu'on vient de dire. Je prie. Père céleste, je te bénis parce que tu m'as tant béni. Tu m'as choisi, moi qui n'avais rien pour attirer ton regard. Tu m'as adopté et tu es devenu mon Père céleste, moi qui ne soupçonnais pas que tu puisses t'intéresser à moi. Tu m'as délivré de toutes mes fautes. Tu m'as totalement pardonné et libéré. Tu m'as dévoilé ton plan, ce qui me permet de savoir pourquoi je suis sur terre. Par le message de l'Évangile, tu as fait en sorte que je t'appartienne et tu m'as marqué du sceau de l'Esprit, en signe que je suis à toi. Non seulement je suis à toi, mais ce qui est à toi est à moi. L'Esprit est l'acompte de mon héritage futur. Père, tout cela me dépasse.
Pourtant, je sais qu'un jour, je comprendrai bien mieux ces choses parce que j'en ferai la pleine expérience. Que ta gloire soit célébrée. Amen.